On voit tous les deux une espèce d'olibrius complètement bourré en train de se branler, qui se retourne vers elle et qui lui dit « Ségolène, Ségolène, fais-moi bander, Ségolène Royal !» Non mais Laura, mais le gars, on lui a couru quoi après, mais 10 minutes après, qui balançait ses fringues et tout comme ça, au fur et à mesure, une horreur. Toujours on tombe sur des types, ouais, tous les jours, il y en a un. Complètement, là, ils sont plus fous les uns que les autres. T'es malade. À quel moment Lose Yourself est mieux que Sing for the Moment? Tu me parles d'une musique avec trois pauvres notes de piano comparée à un orchestre dingue. Revois tes classiques, sérieusement. Attends, mais orchestre dingue de quoi? Tu sais que c'est juste un sample des années 70, ton truc. Hein. C'est qui Lose Yourself déjà? Oh, c'est grave. Tu rigoles? Mais Lolo, vraiment, t'abuses, c'est Eminem, mon ange. Allô? Là, je suis sur le chemin du retour, pourquoi? Quand j'entends du lait, je suis obligée de mettre sur la liste de courses, ok? Ok. Ok, ça marche. À toute, bisous. Faut que j'aille. Bisous, mes vies. Je vous laisse. Maman? Oh, mais arrête, Maxime, j'ai pas assez de mains, enfin. Allô? Oui? Ok. Bon, eh ben, écoute, tiens-nous au courant. Et fais attention. C'est papa, on va pas l'attendre pour dîner. Ok. C'est une fille de ton lycée, Julie. Elle est pas rentrée depuis 2 jours. Donc du coup, papa pense que c'est une fugue. Julie, c'est pas le genre à fuguer. Hein. Tu sais, à cet âge-là, si on veut embêter ses parents, c'est facile. Hein. T'es déjà fugué, toi? Non, jamais. Mais merde, mais c'est sérieux? C'est prévu à quelle heure la battue? 14h. On a fait tout le quadrillage. Elle peut pas être loin, cette gamine, quand même. Tu veux pas te reposer un peu? T'as pas dormi de la nuit? Je me reposerai quand on l'aura retrouvée. Je peux venir avec toi à la battue? Non, Maxime. Tu sais bien, les mineurs peuvent pas assister. Bon, il faut que je vous tiendrai au courant, d'accord? D'accord. Attention. Si c'était lui. Qui c'est, Martin? Mais arrête, Alex. C'est pas parce qu'il est différent que c'est un serial killer. C'est de la discrimination, ce que vous faites. En vrai, elle a pas tort, hein. Il est vraiment bizarre, ce mec. En plus, il traîne tout le temps dans la rue. Ça se trouve, il a croisé Julie et... En fait, tu vois, Martin, avec Alex, on est persuadé qu'il a à voir avec la disparition de Julie. Mais c'est vrai, quoi. En plus, il traîne tout le temps dans la rue, il fait des trucs chelous. Et puis, cet après-midi, il y avait tout le monde qui était à la battue, sauf lui. Maxime, ça suffit. C'est pas des choses à prendre à la légère. Une fille a disparu, quand même. Mais je sais. Il n'y a pas de mais. Un trajet à pied de 30 minutes qu'elle ne rejoindra jamais. Les autorités encouragent toute personne disposant d'informations à contacter la gendarmerie locale.
Faut pas laisser traîner tes affaires comme ça, Maxime. Papa, je sais pas ce que tu crois avoir vu ou entendu hier soir, mais il faut que je t'explique. L'autre soir, quand Nadine est venue dîner à la maison, quand elle est repartie, elle avait un peu trop bu. Il faisait nuit noire. Elle a reculé sa voiture, on n'y voyait pas à 2 mètres. Julie passait derrière et malheureusement, elle l'a percutée. Nadine m'a appelé tout de suite, elle était complètement paniquée. J'ai cru qu'elle était en danger, alors je l'ai rejointe. Il n'y avait plus rien à faire. Elle a tué Julie. C'était un accident, Maxime. La vie de Nadine aurait été foutue après ça. Et puis Julie était morte. Maman, elle sait ça? Bien sûr que non. Et si tu tiens à cette famille, elle n'a pas intérêt à être au courant. Ce sera notre petit secret. D'accord? D'accord, Maxime? Jamais, on avait raison. De quoi tu parles? Bah pour Martin. La police a retrouvé le gilet de Julie dans sa tente à côté du parc. Apparemment, il y avait du sang dessus et tout. Non mais là, le temps, c'est n'importe quoi. C'est juste... Moi, j'en peux plus. D'ailleurs, à ce propos, vous avez des plans pour cet été? Écoute, ça fait un petit moment qu'on essaie d'aller en Corse. Et puis, avec l'inflation, je crois pas que ça va se faire. Ouais, ouais, enfin, faut qu'on économise pour les études de Maxime, quand même. Ça, c'est vrai. Bonne soirée. Bah nous, cette année, on se fait plaisir. On a pris 2 semaines en juillet pour visiter la Grèce. Oh, super! Alors, vous allez faire quoi? Plage, visite? Un peu plage, visite. Ouais. Puis, on va visiter Athènes, Delphes, je pense. Ouais. Puis, profiter un peu du soleil. Hein. Ah, sympa, le soleil. Grec, parce que... Ouais. Vous allez prendre un guide ou... Mmh.